On va enchaîner très rapidement avant de démarrer cette ultime masterclass. Je vais appeler le directeur d'Omnivore, Romain Rimbaud, s'il vous plaît. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Romain qui a œuvré depuis tant de mois à ce que cet événement ait lieu. Je lui passe la parole. Merci Boris. Je vais faire court, hein. Mais malgré la chaleur, malgré l'impatience de voir Pascal Barbeau, vous n'échapperez pas aux mots du directeur. Le directeur fier et heureux de cette édition. Grâce à vous tous, on l'a sortie, on l'a faite. On l'a vécu dans la joie et la bonne humeur, en gardant la vigilance nécessaire. Vraiment un grand merci. Fallait y croire et vous avez été nombreux à nous soutenir. Pour moi, là, le plus important, avant de conclure, c'est de remercier tous ceux qui étaient derrière moi. Ils sont nombreux. Il y a tellement de prénoms que je me suis quand même fait une petite liste. En tout premier lieu, je voudrais remercier, vous allez avoir pas mal de noms, hein, je vous préviens, mais chacun de ceux que j'ai cités est très important. Aneta, Marilyn, Audrey, le noyau dur d'Omnivore, merci à elles trois du fond du cœur. Je voudrais remercier très fort Marine, Marie-Charlotte, Natalia, Anthony, Martine, Samantha, Jean-Benoît, Lucille, Vincent, Agnès, Anaïs, Camille, Morgane, Anna, Mathieu, Mika, Romain. Merci à tous. S'il vous plaît, ils méritent de gros applaudissements. Vous n'imaginez pas le combat en coulisses depuis 6 mois. Je voudrais aussi mettre en lumière ceux qui étaient en coulisses avec nous, aux côtés des chefs, au cours de nos déjeuners, au cours de nos dîners. Tout ça s'est fait en dernière minute en plus. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on accueille très chaleureusement les étudiants de l'école du CAS. Merci. Venez nous rejoindre s'il vous plaît sur la scène. Voilà tous les étudiants de l'école du CAS qui ont été à nos côtés pendant les 4 jours avec Élise Mazurel, la directrice de l'école du CAS. Merci à toi Élise et bravo à tous. Tous les chefs ont salué votre efficacité, votre gentillesse. Vous étiez toujours là, on avait besoin de vous, il suffisait de se retourner, c'était parfait. Merci, on a calé ça en même pas un mois, c'est formidable. Et on est fiers d'être partenaires sur les 3-4 années à venir. Merci encore à vous tous. Avant de passer la parole à Boris pour cette dernière masterclass avec Pascal Barbeau, qui nous tient tant à cœur. Il n'est pas là par hasard sur cette dernière séance. Je voudrais bien sûr dire un mot pour Luc Dubanchet. On fête la 15e édition. Très simplement, merci Luc pour l'élégance. Merci pour le soutien sans faille. Je vais tâcher d'être à la hauteur. J'ai à cœur d'ajouter quelques briques. Mais le socle est très solide, j'ai conscience de la responsabilité. Voilà, je suis très très fier de prendre la succession de Luc Dubanchet. Et je voudrais aussi avoir une pensée très émue pour Gilles Cousin, le réalisateur des 14 dernières éditions d'Omnivore et qui va être aux manettes pour la dernière masterclass de sa carrière. Gilles, t'es le bienvenu, on t'aime et merci pour toutes ces années. Merci à toi, Gilles. Je passe la parole à Boris et à Pascal. Merci à tous. Merci. Merci, Romain. On va clôturer en beauté. Comme on l'a commencé, cela dit. Hein. Moi, j'en profite pour remercier tous ceux qui étaient là depuis le premier jour, les fidèles, à patiemment assister à ces masterclass.
Et remercier aussi tous ceux qui en régie et derrière en plateau font un travail vraiment formidable pour que tout se passe sans accroc. On va accueillir un chef et un directeur de salle, deux restaurateurs qui ont révolutionné la scène gastronomique de Paris il y a une quinzaine d'années. Et j'espère que vous allez mesurer là encore la chance de vivre ce moment, puisqu'on va voir éclore un nouveau restaurant dont on sait qu'il sera l'événement marquant de cette année 2020 à Paris, en France, probablement en Europe. Et on va en profiter. Pascal Barbeau, Christophe Roy, de l'Astrance à Paris. Allez, s'il vous plaît. On les applaudit. Bonjour, messieurs. Salut, Boris. Salut, Pascal. Salut, Boris. Bonjour, comment Christophe. Salut, Boris. Est-ce que vous avez la gentillesse de nous présenter aussi vos camarades qui sont avec vous sur scène, qui se cachent là derrière, mais voilà. Également... On va commencer par Florence qui est avec nous depuis un an à peu près, déjà. Rémi, pareil, qui vient de rejoindre l'équipe en cuisine. Tenez, avancez-vous vers le centre tous, là. Christophe, Chris et Pascal, mettez-vous au centre. Et Cédric Martineau, donc, qui est notre nouveau compagnon de travaux donc de l'agence 14 septembre sur la directeur de toute la création du design pour le nouveau restaurant. Très bien. Bienvenue à vous. Pascal, Christophe, je parlais d'un événement. En plus, je vous connais, vous allez d'une modestie extrême en nous disant « Mais non, Boris, t'en fais des caisses, c'est pas possible. » Je ne sais pas si vous mesurez l'intensité de cette attente de nous, les mangeurs, de vos clients, de revenir à l'Astrance, de redécouvrir un restaurant, mais aussi de tourner une page qui a marqué quand même les 20 dernières années. Est-ce que vous avez conscience de ça en annonçant effectivement que l'Astrance va bientôt naître ailleurs ? Moi, je préfère ne pas en tenir compte, parce qu'on est toujours motivé comme au premier jour. Donc, le fait d'avoir cette nouvelle aventure décuple toutes nos envies. Et je pense que l'Astrance de la rue Beethoven depuis 20 ans, cette page se tourne aujourd'hui. Et maintenant, bon, on la laisse de côté là incessamment sous peu pour vraiment se projeter dans le nouveau restaurant. Pascal, quelle émotion ça peut susciter chez toi, effectivement, de fermer la porte de ce restaurant rue de Beethoven qui a marqué ton histoire ? Mais donc, il y a plusieurs façons qui nous touchent. En fait, il s'est passé tellement de choses rue Beethoven. On a réussi à trouver notre identité, donc cette complicité avec Christophe, avec le service, avec nos clients, nos réguliers, nos équipes, beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent sont passés rue Beethoven. Et il y en a des cuisiniers aussi qui ont été formés là. Il y a toute une génération Astrance qui essaime aujourd'hui un peu aux quatre coins du monde. Tout seul, on peut absolument rien faire. Donc on a eu cette chance d'avoir tous ces jeunes qui sont venus partager un petit peu de temps avec nous et ensuite qui ont volé de leurs propres ailes. Donc ça, il faut leur rendre un petit peu cette curiosité qui était importante pour eux. Mais maintenant, on a envie d'écrire une nouvelle histoire. Donc ça, ça nous tient beaucoup à cœur. Et donc, il y a beaucoup d'excitation, puisque c'est, bien entendu, c'est un déménagement, mais je considère plus que c'est une création et un nouveau restaurant, puisqu'on a fait des choix assez forts. Pendant 20 ans, on a travaillé avec ce menu unique. Donc on a fait le choix de remettre une carte. Donc ça, c'est quelque chose par rapport à nos clients. Par rapport à nos producteurs, par rapport à nos envies, parce que bon, 25 ans et 48 ans, on ne raisonne plus de la même façon. Et avec Christophe, on s'est dit un petit peu, voilà, on se met à la place des clients. Et l'idée du nouveau restaurant, c'est vraiment le client va choisir son expérience. C'est-à-dire qu'on va lui laisser le choix de choisir s'il veut passer une heure et demie à table ou quatre heures à table. Et donc, on sera là pour l'accompagner. Je t'interromps, Pascal, mais je voudrais aussi que tout le monde mesure ce qui peut sembler anecdotique, dire qu'un restaurateur, un chef dise « on va faire un menu », ça pourrait sembler assez banal. Mais quand c'est toi qui le dis, quand c'est Christophe qui l'annonce, c'est un moment tout à fait particulier, car il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, vous étiez les premiers à proposer finalement une expérience avec un menu carte blanche, un menu unique imposé, qui était d'ailleurs pas toujours facile à vendre, si je puis dire, et qui est devenu aujourd'hui quasiment la norme dans des restaurants, en tout cas avec des ambitions gastronomiques élevées. On sait qu'aujourd'hui, on se fait embarquer dans une aventure, prendre un peu par la main et on ne sait pas très bien où ça mène. Ce qui est important de signaler, Boris, c'est que nous, le fait que l'endroit soit petit, la cuisine était petite, la salle était petite, on n'avait pas non plus
d'aisance pour travailler fait que ça, nos contraintes sont devenues un avantage. Donc le public a suivi sur cette idée de menu. Ce menu carte blanche n'était pas un choix, il était finalement une obligation. Exactement, c'était beaucoup plus facile pour nous tous de travailler. Après, il faut savoir que de plus en plus, ça s'est démocratisé et en fait, la réaction des gens, même chez nous, arrivait à dire parfois, mais ils font partie de ces restaurants où on ne choisit pas. Et quand tu entends ça, tu dis, il y a un truc qui ne va pas, il faut changer. Donc, l'ironie de l'histoire, voilà. Effectivement. Et c'est à nous de changer aussi. C'est à nous de se mettre au goût du jour, à notre façon. Pascal, la cuisine, on en parle, évidemment, l'Astran, c'est un moment de cuisine, hein. C'est pas seulement un lieu. C'était une cuisine de contrainte aussi, c'était une des plus petites cuisines de Paris presque, qui offrait l'une des plus belles qui pouvait sortir. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous projeter un peu dans ce nouveau restaurant et qu'est-ce que la cuisine va pouvoir effectivement faire? On parle de plus de liberté, de choix plus grands, d'une latitude en temps. Comment toi, Pascal, tu peux nous donner un peu voilà, les mots-clés? Et il y a encore une grande part d'interrogation, justement, parce que de 16 mètres carrés, on va passer à 70 mètres carrés en cuisine. Donc c'est quelque chose, c'est un petit peu la révolution. Et donc bien entendu, il y a cette identité, il y a cette relation avec les producteurs qui a toujours été très présente. Il y a cette curiosité qui a toujours été présente. Donc le végétal, nos producteurs, des gens qui ont un savoir-faire absolument incroyable, qu'on se doit de mettre en avant, c'est très important. Et donc on aura un équipement différent, on aura une façon de cuisiner différente. Mais avant, j'ai envie de vous parler du restaurant et on parlera de la cuisine après. Vas-y, je te suis. Christophe vous a présenté tout à l'heure Cédric, et je laisse la parole à Cédric qui va nous présenter le restaurant. C'est facile, Cédric, hein, de récupérer l'Astran et de dire on va écrire une nouvelle histoire. En fait, on a rencontré Cédric et certains membres de l'agence 14 septembre quand on avait le projet à Beethoven, éventuellement de remodeler le restaurant. Okay. Il se trouve qu'on avait laissé tomber ce projet-là, on est resté toujours en contact avec là un restaurant qui fait 380 mètres carrés, donc ils peuvent s'amuser davantage. Ok, alors comment on commence par travailler sur ce projet-là? Comment on commence par travailler? On commence par comprendre les gens avec qui on va travailler. Et la façon d'aborder le travail, elle n'est pas de créer un lieu pour créer un lieu et de mettre une signature en bas à droite. Le premier travail, c'est de se sentir nous, de se comprendre nous, de moi les comprendre, et de faire un lieu qui va être signé Pascal Barbeau et Christophe Roa, et pas Cédric Martineau, 14 septembre. Tu sais pas cuisiner en plus. Okay. En plus, alors, je me débrouille un petit peu, mais voilà, loin de moi cette idée-là. Mais c'est avant tout de faire un lieu qui leur ressemble, qui ressemble à leurs valeurs, qui regroupe l'intégralité de ce qu'ils sont, et qui laisse un petit peu une trace comme ça, et surtout de construire un lieu pour des années. C'est-à-dire qu'on fait un lieu en 2020, mais c'est un lieu qui existera encore dans 10, 20 ans et qui ne doit pas vieillir et qui doit toujours garder cet ADN proche. Un restaurant durable. Exactement. Avec tout ce que ça veut dire aujourd'hui. Exactement. Donc la responsabilité du restaurateur, du chef, est de créer un lieu effectivement qui va lui-même se maturer, se transformer, effectivement vivre avec son temps. Qu'est-ce que ça veut dire un restaurant durable dans une ville aujourd'hui? C'est des questions qu'on s'est posées. Et comment nous, en tant que restaurateur, en tant que personne qui accueille des clients ou personne qui cuisine, comment on peut intégrer concrètement le côté éco-responsable d'un restaurant dans une ville, dans une mégapole comme Paris? Donc ça, c'était des questions et Et vous avez les réponses? On a des réponses, on va les présenter aujourd'hui. Alors, on vous a préparé en exclusivité parce que personne n'a rien vu encore de ce que sera l'Astran dans quelques semaines. On va vous présenter quelques petites planches pour vous donner une idée de ce que sera l'Astran sans vous dévoiler tout non plus parce qu'il faut garder un peu des surprises. On va surtout vous révéler en fin de présentation la nouvelle signature Astran, voilà, qui a été clôturée il y a quelques jours, donc c'est vraiment une exclusivité. On vous a préparé quelques petites planches que je vais passer à toute vitesse. On commence à les voir. Voilà, donc Astran, l'ancienne signature. On passe de la rue Beethoven, comme on vous l'a raconté, avec une toute petite centaine de mètres carrés, une toute petite cuisine, au 32 rue de Longchamp, ancien lieu phare de Monsieur Robuchon, donc un lieu déjà chargé aussi d'histoire. Je m'arrête une seconde là-dessus. Ouais. Le choix de cette adresse, au-delà, je mets de côté le fait que Robuchon, le 16e, qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de rester dans ce quartier? Si je puis dire, c'est pas le quartier le plus évident aujourd'hui dans la restauration parisienne. Yes, on ne se connaissait pas à l'époque, mais on était dans le 7e. Je vais le faire. Et on trouvait que le 16e, c'était un endroit où il n'y avait que des vieux.
Donc on a visité la rue Beethoven, ça nous a plu, on s'y est plu. On habite dans le 16e, ça nous plaît, c'est pas le 11e où ça bouge moins. Le soir, tout le monde dort à 1h, c'est plié. Après, nous, on voulait justement rester dans ce périmètre-là. Okay. Donc ça nous a pris 5 ans pour trouver un lieu dans le 16e, parce qu'on en a visité. Donc c'était le choix, hein, c'est-à-dire que vous aviez cette envie-là. C'était le 16e, ça. Ok, et Pascal, je vais te poser une petite question aussi. Le cuisinier que tu es, comment tu ressens aussi cette présence, ou en tout cas cette histoire du lieu, le Jamin, dans ces nouveaux murs? En fait, ce qui nous a plu de suite, quand on a visité, c'est surtout l'espace. On a eu beaucoup de la problématique rue Beethoven, c'était par rapport à la technique. Mm-hmm. On attache une importance très grande par rapport au confort, le confort à nos clients, le confort de cuisiner, le confort de nos équipes et le confort de pouvoir mettre nos producteurs en avant. Et ce qu'on pouvait, on avait du mal à le faire rue Beethoven. On a fait ce qu'on a pu avec nos moyens, mais on avait, à un moment donné, il y avait des limites. On s'est retrouvé confronté à une clim qui était énergivore au niveau, c'est un système à eau perdue. Voilà, on avait quelques difficultés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris juste 25 ans dans la tête, comme tout le monde. Et donc, on avait besoin d'un nouveau local pour pouvoir s'exprimer et mettre tout justement cette technique à notre service. Donc, tu veux dire, en creux, que l'histoire de ce lieu t'importe peu. C'est-à-dire que vous avez été séduit par l'espace, par le lieu, par l'adresse, mais il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Non, bien entendu. Alors, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, le fait de racheter un restaurant où M. Robuchon a exercé de 82 à 96, donc il y a vraiment quelque chose de touchant. Bien entendu, c'est très touchant en tant que cuisinier. Et donc, on va tout mettre en œuvre pour que cette maison revive d'une certaine façon également. Donc, nous, c'est un transfert d'adresse, ça va être une nouvelle énergie, un nouvel élan, une nouvelle bouffée d'oxygène. Et ensuite, rue de l'Enchant. Alors, le clin d'œil, l'histoire veut que le jour où on a signé le restaurant Astrance en juillet 2000, donc quand on a signé l'achat du restaurant, on a été fêter ça avec Christophe au 32 rue de l'Enchant, un restaurant qui s'appelait le Jamin. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Je ne vous dirai pas où est-ce qu'on a signé l'achat rue de l'Enchant. Ça reste confidentiel. Une chose, Maurice, qui est très importante, c'est Christophe. Que nos clients nous disent c'est notre premier restaurant 3 étoiles qu'on a fait quand on était jeune. Ok. Quand c'était Monsieur Robuchon. Bien sûr. Donc il y a une grande histoire aussi pour ces clients. Pour les clients. Exactement. Je vous repasse la parole. Alors l'image que je disais, c'est que moi j'ai vraiment travaillé pour quelque chose qui leur ressemble et qui ressemble à l'Astrance, qui est le symbole de ce restaurant, qui est en fait une fleur de montagne sobre et d'une complexité folle et d'une finesse incroyable, donc un peu à l'image de la cuisine de Christophe et la qualité de service de Christophe et de Pascal. Donc c'est un écrin qu'on a vraiment tourné autour de la nature et avec la notion de respect, effectivement, comme Pascal peut l'avoir dans son approche de la cuisine, avec l'importance donnée à chacun des événements. Donc on a fait un vrai travail de sourcing de matériaux qui sont que des matériaux grosso modo français ou européens, où on veille à l'approvisionnement, on veille aussi à l'empreinte de chacun des matériaux. Ça, c'est à chaque étape du projet et c'est encore aujourd'hui et demain dans nos recherches parce que ça continue à évoluer chaque jour, je dirais, ce projet. On attache aussi beaucoup d'importance à la gamme colorielle du restaurant parce que l'important est l'assiette. Donc ce qu'on va créer est là pour sublimer l'assiette et on va aller vers des matériaux aussi respectueux avec le lin, matériaux européens. Enfin voilà, on attache vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à tout ça et toute l'essence du projet est dans cette recherche de matériaux et de tonalités à l'image du restaurant. Pascal et Christophe, vous faites un restaurant français. Absolument. Oui, c'est ça. Et en tous les cas, quand il n'est pas français, il est européen, en tout cas. Voilà. Okay. On a attaché beaucoup d'importance par rapport au sourcing, justement, aux produits français, comme on le fait avec les produits en cuisine, c'est très important. Ok. Et puis, il y avait quelque chose qui tenait vraiment à cœur de Pascal et de Christophe, parce qu'on avait vécu cette problématique sur la refonte du Beethoven, c'était d'apporter de la lumière dans ce restaurant. Et le restaurant lui-même, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc on a une vraie approche de travail de la lumière. Et cette façade très fermée aujourd'hui, mais demain, elle sera très ouverte. Et avec une très jolie idée, puisqu'on a demandé à Pierre Monory de travailler avec nous sur ce projet-là, où on va créer un jardin et le restaurant va devenir un lieu de transhumance. Puisque l'idée, c'est de plus avoir de fleurs coupées dans le restaurant, mais uniquement des pousses d'arbres, des pousses de fleurs qui vont passer par le restaurant, vivre un petit peu de temps dans le restaurant et ensuite être replantées. Et ceux qui voudront acheter les plants pourront les acheter et le produit de cet achat-là sera reversé à une association. Donc il y a vraiment cette idée de cercle vertueux
du début jusqu'à la fin, en passant par l'importance du végétal dans le restaurant et l'importance de la lumière dans le restaurant. Le choix des plans a été sélectionné également avec l'ONF, donc justement, qui s'est agréé pour replanter dans une forêt. Donc, qui est vraiment un sourcing très important et ça va être un endroit où on va élever les jeunes plants pendant quelques temps, quelques semaines. Alors vous en avez élevé quelques-uns effectivement déjà à la Strance. C'est une poupée. Donc, en fait, c'est essayer de répondre comment dans une ville on peut être éco-responsable, c'est très important. Très bien. Donc voilà, et puis il y a vraiment cette idée de végétal qui va être présente dans tout le restaurant et vraiment pour créer une conversation avec l'assiette de Pascal et son travail. L'Astrance, ça va être trois destinations. Je vous ai préparé une petite visite guidée, mais qui ne va pas vous donner trop d'indices. Mais on va être sur trois niveaux dans le restaurant. Moi, je l'ai vu. Hein, donc, ouais. Bon, ça, c'est le restaurant il y a quelques semaines. Hein. Ouais. Mais je vous promets, on va ouvrir dans quelques semaines aussi. Donc, c'est un gros chantier. On a vraiment tout mis à plat. Christophe et Pascal, vous voyez l'œil de bœuf là à droite. Vous voulez garder cet œil de bœuf parce que c'était un petit peu robuchon. J'ai dit non. C'est un seul truc où j'ai dit non, mais après, voilà, on essaie de travailler de créer vraiment un nouvel espace. Donc, au rez-de-chaussée, on va avoir la salle principale et surtout, on va avoir la cuisine qui sera visible et en partie ouverte et surtout avec un vrai confort de travail pour Pascal. C'est nouveau, ça, hein, quand même, de te voir cuisiner aussi, finalement, parce que à la Strance rue Beethoven. Il y avait pas on beaucoup était là, on pouvait deviner derrière ce petit hublot. Ouais. Voilà, il y avait un tout petit œil de bœuf hein, pour te voir. Bœuf, ouais. Et là, on donne vraiment la place à la cuisine et la place qu'elle mérite. Donc, le gros du chantier est centré sur la cuisine et après, on vient effectivement autour nous raconter autre chose. À l'étage, on va découvrir un salon privé avec une petite cuisine. Et ça rejoint vraiment l'idée que peuvent avoir Pascal et Christophe sur l'art de recevoir. L'art de recevoir à Strance, c'est une vraie signature. Toutes les critiques qu'on peut lire, on parle de la cuisine, mais on parle aussi de la façon de recevoir. Et ça, c'est le travail de Christophe, qui est assez exceptionnel. Et, cet écrin là-haut... De toute l'équipe. Oui, mais voilà, cet écrin là-haut, il est vraiment destiné à continuer à créer cette idée de comme à la maison et d'avoir une qualité de réception extraordinaire. Donc, c'est vraiment travailler dans ce sens-là. Christophe, tu peux juste ajouter un mot, justement, toi, le travail en salle avec ces espaces qui vont être... démultipliés, en tout cas qui vont être séparés. Comment toi tu l'envisages ? On a eu tout le temps des demandes de salons privés, d'endroits où on peut parler des dîners de closing, des repas chasse, des repas avec un thème précis. Et on a toujours dit non. Tu as une salle principale qui fait 80 mètres avec une table de 8 qui fait du bruit. À un moment, tu es obligé d'aller voir les gens. C'est de tamiser un peu gentiment. C'est pas évident. Hein, Et là, en fait, on a un salon qui va être avec une très jolie moquette. On va tamiser un petit peu. Mais les gens peuvent être en réunion de famille, en réunion de travail, des copains. Ça peut être des repas de fournisseurs, ça peut être des vignerons qui viennent. Ils seront chez eux. Donc, ça, et donc on nous, aura, c'est, ils auront de la chance si d'avoir deux entités. Christophe et Pascal seulement pour eux. Absolument. Tout à fait. C'est chic, ça. Bah ouais, c'est sympa. Je crois que ça va surtout être très réservé très vite. Donc, probablement. Je ne doute pas du côté petite maison justement rue Beethoven. Et on a cette chance en fait d'avoir ce salon privé. Et l'idée, c'est de faire un deuxième restaurant. Dans le restaurant, c'est toujours garder cette identité de petite maison. Donc il y a la salle principale en bas, 32 couverts, et la salle en haut de 6 à 14 personnes. Et avec la cuisine attenante, c'est-à-dire qu'on va venir privatiser l'endroit et on pourra privatiser les cuisiniers en même temps, parce qu'il y aura la cuisine d'envoi exactement. Donc c'est vraiment plus qu'une salle, hein, c'est vraiment presque un deuxième restaurant. C'est un deuxième petit restaurant. C'est les poupées gigognes, les poupées russes. Et donc qui nous laisse encore beaucoup de possibilités pour pouvoir échanger avec un vigneron, un producteur, un collègue cuisinier. Ça c'est vraiment à l'infini. Ou alors... dans le futur, si on veut passer à autre chose, proposer une expérience différente, accessible à des jeunes ou je ne sais pas, voilà, ou quelque chose de plus exclusif. Donc on a vraiment voulu de suite tout mettre en œuvre pour que ce soit réalisable par la suite. Okay. Comme Cédric le disait, on voit un restaurant pour les 20 prochaines années. On est désolé les jeunes, il faudra les supporter pendant 20 ans encore. Bon, je suis sûr qu'ils sont ravis et je suis sûr qu'ils vont vous suivre. Très bien, et on voit qu'il y a également un espace au sous-sol. Oui, parce que la carte des vins d'Astrance, une carte très réputée pour ceux qui ont eu l'expérience Astrance et pour ceux qui connaissent un petit peu le restaurant, savent que cette carte de vin est quand même une des meilleures et une des plus belles cartes de vin de la place. Et donc, il fallait qu'on donne une place méritée à la cave. Donc, on va avoir une partie en sous-sol réservée à cette cave. On espère que tous les vins vont rentrer dedans, c'est la problématique du jour, mais dont l'accès sera possible. Dans des conditions particulières. Ce qu'on aimerait, c'est que certaines personnes
qu'on a aux États-Unis ou en Chine ou au Japon puissent, plutôt que de nous envoyer un mail en disant qu'est-ce qu'on peut boire quand on va venir la semaine prochaine, c'est de leur dire bah, vous venez demain matin pour le dîner, on le prépare et ils viennent chercher leur vin dans la cave. On n'a jamais pu faire ça. Bien sûr. Donc ça va être exceptionnel. Et en plus, c'est un espace Pardon, Cédric, c'est un qui le permet, c'est-à-dire c'est généreux. Voilà. Un petit peu plus encore, je vous dévoile quelques petites élévations de ce à quoi va ressembler un petit peu le lieu. Une petite 3D de la salle. Je ne vous en dis pas plus, ça sera révélé dans quelques semaines. Quand même, tu veux bien revenir juste derrière? Alors, je crois que je ne peux pas revenir en arrière, on m'a dit. Merde. Ah, ouais. Bon, on a vu la strance là. Oui. Là, la matière, ça serait quoi ça, c'est beaucoup de bois, il y a beaucoup de chênes, il y a beaucoup de pierres. On travaille beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les contrastes de matériaux, lisse, rugueux. Je suis quelqu'un qui est très sur l'essence. Et donc, qu'on ait des touches différents sur les fauteuils, on a travaillé sur une matière particulière. Le rapport tactile au lieu et physique au lieu est vraiment important, autant qu'il l'est à l'assiette. Donc on travaille vraiment sur réunir toutes les conditions, et y compris sur le service, parce qu'on réfléchit aussi au service de manière différente, comment on va pouvoir amener différemment les plats, comment la carte va s'articuler. On a vraiment un travail de réflexion autour de ça, au global, et sur la façon de servir, on a une vraie nouvelle démarche, une vraie approche différente. Et donc je pense que Astrance demain va être une expérience totale, est totalement nouvelle. La qualité de l'assiette restera la même, voire peut-être un peu plus encore, mais la qualité de service va aussi changer et évoluer. Et on est vraiment en train de travailler depuis plus d'un an, et demi sur une expérience complète, totale, et surtout une expérience qui leur corresponde, eux, parce que moi, une fois que ce sera ouvert, les clés, elles sont à eux, et ils vivent dedans, c'est eux qui vivent au quotidien dedans. Donc ça doit être un lieu qui leur ressemble et qui remplisse toutes les cases, quoi. Et Christophe, justement, ce lieu était très incarné, la salle était très incarnée par toi. Tu la faisais vivre aussi parce que c'était un espace qui était relativement à taille humaine. Le restaurant est plus grand, il y a différents espaces. Comment toi tu t'envisages justement dans cette... Là, c'est déjà nos piliers qui sont présents rue Beethoven qui vont être ravis justement de ne pas voir Christophe tout le temps sur le dos. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse se partager avec Pascal justement sur les deux ou trois niveaux. Et ce que je voudrais vraiment, c'est vraiment personnel. J'ai deux enfants qui ont 16 et presque 18. C'est eux maintenant qui m'emmènent parfois dans des restaurants de certaines personnes qui sont là, mm-hmm. où en fait je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est à la cool. Et je voudrais arriver à emmener une partie de nos fidèles, nos clients, sur un endroit où on peut se sentir bien avec des jeunes à côté, qu'avec des personnes plus âgées, et pas se mettre sur son costume trois pièces pour aller à l'Astrance. Soit vraiment interactif. Et puis il y a un élément qui est important, c'est qu'on a cherché, on cherche vraiment à garder cette idée d'intime. Parce que le lieu est plus grand. D'abord, il est très grand sur le papier, mais il est très occupé aussi par les parties techniques. Hein, mm-hmm. Les zones techniques représentent quasiment les deux tiers de la surface totale. Mais on a vraiment cherché, on cherche vraiment et on continue encore. Ça va jusqu'au choix des tabliers, enfin tout pour vraiment travailler sur l'intime et de garder ce qui fait l'essence de Astrance aujourd'hui et d'arriver dans Astrance avec effectivement une nouvelle image, un nouveau sentiment, mais de garder l'impression qu'on avait auparavant d'accueil exceptionnel et d'un moment excessivement particulier. Après, Boris, l'Astrance, c'était certes un service professionnel, mais toujours un petit peu détendu quand même. C'est clair. Et il faut qu'on garde cette vision-là. Mais je disais surtout que c'était surtout toi le service, au sens c'était toi qui l'incarnais. J'ai des assistants donc, qui sont... Il va falloir aussi que tu lâches un peu... Que moi. Évidemment. Il y a encore d'autres choses à montrer. Une dernière petite chose. En fait, voilà, Astrance, c'est aussi un nouveau lieu, donc il fallait un petit peu travailler une nouvelle identité. Donc voilà ce que c'était auparavant. Et puis on a continué notre recherche dans le sens de le développement du restaurant, sur cette idée d'empreinte, sur cette idée d'herbier, sur cette idée de naturalité. Et donc, on a une petite vidéo pour vous dévoiler en exclusivité le logo. Voilà. Je ne sais pas où elle est. Elle est en speed, voilà. Je crois.
Donc voilà la nouvelle signature Astrans qui a été finalisée il y a 2 jours. Et Pascal et Christophe, il y a eu la tentation aussi de faire un autre restaurant, de faire non pas l'Astrans 2021, mais je sais pas, Pascal Barbeau, Christophe Roa, ou choisir un autre nom, le débaptiser pour lui. Pourquoi ? Il n'y a même pas eu de sujet. L'Astrans, c'est l'Astrans, c'est notre identité. Depuis, c'est une histoire de 2 personnes. C'est cette complicité, justement. C'est cette complémentarité entre le service et la cuisine. Notre rôle, nous, en tant que restaurateurs, c'est quoi ? C'est le sourcing. Donc, c'est de trouver les meilleurs producteurs, donc de les transformer. Et on a le service qui est là pour les mettre, justement, au service du client. Donc, nous sommes des passeurs. Nous sommes l'intermédiaire de tous ces... Donc il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de désir. Non, il n'y avait pas de sujet. L'Astrans, c'est lié à 2 personnes. On ne peut pas dissocier, justement, après c'est autre chose. L'Astrans, on travaille ensemble depuis 20 ans. On a réussi à mettre ce menu surprise en place parce que Christophe était présent dès le départ, l'a expliqué aux clients, ça a pris un peu de temps. Et c'est le restaurant, c'est une histoire de 2 personnes, justement. Et on a des clients qui vont venir aussi bien pour le service, qui vont venir pour la cuisine ou qui vont venir pour la sommellerie. On a également Alexandre qui a rejoint l'équipe il y a quelques années. Tout à fait. Avant, on a eu un autre Alexandre et on a eu Alejandro. On a eu des sommeliers absolument incroyables. On a des gens qui se déplacent justement pour vivre l'expérience service. Justement, c'est le côté petite maison, l'expérience cuisine ou l'expérience accord mets et vins ou l'expérience choisir une belle bouteille. Et nous, on va leur composer un menu que pour eux. Est-ce que, messieurs, on passe à la cuisine du coup ? Il est temps, je pense. Ouais. Alors. Il nous reste juste dire un tout petit mot. Bien parce sûr. On parlait justement de changement. Malheureusement, avec ce Covid, avec ce confinement, on était avec Pascal à 150 km d'écart. Il est resté à Paris, moi j'étais à la campagne. On a fermé parce qu'on n'avait pas le choix. Et plus on allait dans les semaines se passaient, plus on se projetait dans notre nouvelle Astrans, entre bien guillemets. Sûr. Et c'est comme si la page se tournait de la rue Beethoven. Donc les semaines ont passé et on est arrivé au même point qu'on n'avait pas envie de refaire venir du public la rue Beethoven, même si ça nous a porté pendant 20 ans. Il faut comprendre que le restaurant n'a pas réouvert non. Et qu'il ne rouvrira plus jamais non. Rue Beethoven. Non. On préfère plus accueillir les personnes en disant bah, « passez au chantier, on vous montre ». Plutôt que de dire on le vous paye pas un trop, pot, on vous paye un pot rue Beethoven, aucun intérêt. On a une nouvelle histoire à écrire rue de Longchamp, une très belle histoire qui nous attend. Et alors, quand ? Patience. On attend. Non, vous n'annoncez pas de date ? Non. Non. Oh, Pascal, il était prêt, là, à balancer une date. On ne peut pas, on peut pas. Non, mais je parle de 2021, ouais. Je me trompe. On ne sait pas parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons. Il y a eu du retard avec le Covid, on a arrêté les travaux pour ne pas nuire à la copropriété. Après, c'est une des choses qu'on découvre pas complètement. Petit à petit et on ouvrira quand on sera prêt. Mais on peut espérer que ce soit dans les prochaines semaines, les prochains mois. Non, le prochain mois, on va tout mettre en œuvre pour ouvrir avant Noël. C'est l'objectif. Ben bah voilà, il l'a dit. Après, bon, si c'est après, c'est après, c'est comme ça. Mais on va tout mettre en œuvre pour. Très bien. Cuisine, il nous reste 4 minutes, c'est ça, non ? Il nous reste en vrai 8 minutes 30. 8 minutes, donc, ok. Non, mais moi, au-delà, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais que tu dises un mot aussi sur, justement, on a compris, hein, y a l'expérience de la salle, il y a l'envie d'offrir un confort. En fait, ça va aussi infuser dans la tête d'un cuisinier un lieu. Et comment tu te projettes, alors, toi en cuisine, très honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire la carte. Parce qu'on va remettre une carte. Et faire une carte 3 mois avant, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, je n'ai jamais su faire. Pendant 20 ans, j'ai travaillé avec le menu unique. Donc, c'est un exercice personnel très difficile à faire, mais avec beaucoup d'excitation. Et j'ai vraiment... Donc là, par exemple, aujourd'hui, on vous a préparé 4 petites assiettes. Très bien. Et donc, on a 4 axes différents. Donc, il s'est passé beaucoup de choses avec le Covid. Donc, il y a eu le confinement. Est-ce qu'on peut ? Je suis originaire de Vichy. Et donc, on sert le pâté bourbonnais. Et donc, c'est le pâté bourbonnais, c'est un pâté avec une pâte à foncer, de la pomme de terre et de la crème. Et donc, avec les équipes, on a dit omnivore, qu'est-ce qu'on va faire il y a 10 jours ? On n'a aucune idée, qu'est-ce qu'on va faire ? La carte, elle n'est pas faite, je ne sais rien, moi. Et donc, je leur ai expliqué, voilà, cuisinier, centre de la France, l'Auvergne, bourbonnais, j'ai envie d'un petit peu, avec tout ce qui s'est passé, on va revenir aux racines. J'ai envie, par exemple, d'arrêter le parmesan. Je ne sais pas pourquoi, depuis 20 ans, je cuisine un fromage italien.
pourquoi pas cuisiner un joli comté à la place. Donc j'ai envie de vraiment insister, de remettre un coup d'accélérateur sur la France, le savoir-faire français, les produits français. Donc clin d'œil au pâté pour bonnet. Donc ça c'est l'avant et l'après. Voilà, donc ça c'est après 4 jours d'essai, de réflexion. Donc on a envie, donc ce qui s'est passé, il y a eu un gros travail. Toujours je demande aux cuisiniers de faire les choses en profondeur. Donc il y a des jeunes qui ont travaillé avec nous qui sont dans la salle et des gens de notre équipe. Demandez-leur, donc quand je leur demande de faire quelque chose, c'est de le faire et d'attacher beaucoup d'importance aux détails. Par exemple, la pâte à foncer, il y a eu plusieurs essais de pâte à foncer. Donc on a l'idée de la pâte à foncer avec du beurre, avec du saindoux, la graisse de rognon, la pâte à pâté. Voilà, vraiment, il y a des pailles en Angleterre. En fonction des régions, des terroirs, il y a beaucoup de pâtes. Pendant le confinement, j'ai lu le bouquin de Claude Perrault du Vivarois, où il explique une pâte à foncer. Donc il fait un beurre pommade, il incorpore les jaunes d'œufs au fur et à mesure, il donne une température de l'eau extrêmement précise, donc voilà, tout est sablé. Ensuite, il y a une partie de la farine qui est incorporée. Voilà, on a fait les essais et tout ça, ça me parle. Voilà, on a recherché la perfection sur la pâte à foncer. Donc ensuite, sur la pomme de terre, on a travaillé sur différentes variétés de pommes de terre avec nos producteurs. Et donc, on a fait le choix de la Grilla. Donc, on a fait la Roseval, on a fait des noms que impossible à me souvenir. On a fait plusieurs essais, les différentes hauteurs, différentes découpes de pommes de terre et différentes crèmes. Et donc, là, on a fini par une crème crue qui est mise hors cuisson à la fin du four pour garder le côté crème crue. On a vu, hein, le joli geste. On a vu, voilà. Donc, l'idée, c'est de garder la crème crue. Passer la pommade à cette petite tarte. Donc tous ces effets ont été faits. Ensuite, il y a eu la cuisson. Donc, alors Jean qui est dans la salle donc, nous a aidé à réfléchir, mais la crème, pourquoi on ne la mettra pas dans la pâte à la place du beurre? Génial, bingo, donc on a fait des essais. Donc la crème est incorporée dans la pâte. Donc c'est une pâte à la crème, donc avec beaucoup de gourmandise. Donc la pomme de terre, normalement, est confite un petit peu dans la crème. Donc là, les 15 premières minutes, la pomme de terre est confite dans un beurre frais. Donc le sourcing, le choix du beurre était extrêmement important. Et ensuite, les 15-20 minutes supplémentaires, elles ont été confites dans une crème fleurette. Et ensuite, en fin de cuisson, on a une crème épaisse. Donc on a un beurre, une crème cuite, une crème crue. Ça, c'est tout le travail qui a été fait sur le pâté bourbonnais. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on servira. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec? J'en sais rien et je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'obsède, c'est que le pâté aux pommes de terre soit parfait. Est-ce que c'est une entrée? Est-ce que c'est la garniture d'un col vert? Pour l'instant, ce n'est pas important. Pour l'instant, moi, ce que je demande aux équipes, c'est que le pâté soit absolument parfait. Donc là, à la fin de la cuisson, on a juste ajouté une fleur de romarin pour l'assaisonner. Donc là, j'aurais voulu mettre un petit peu plus de... Non, je crois que voilà, si tu veux goûter, je ne sais pas si tu veux faire goûter. Avec un petit Moi, je veux bien goûter. Voilà. Donc ça, c'est le pâté bourbonnais. Donc voilà, on va travailler dessus, ou alors vraiment en amuse-bouche, en snacking. En fait, l'idée, il y aura beaucoup de plats à partager. On disait tout à l'heure, le client va choisir son expérience. On aura donc en cuisine une machine de guerre, on aura une Formule 1. Donc on a fait le choix d'investir plusieurs millions sur le projet. Et donc on va travailler par zone. L'idée d'une carte, le côté entrée, plat, dessert, me perturbe un petit peu, me gêne un petit peu, je ne m'y retrouve pas. Donc on va faire des zones dans la cuisine. Donc on a la chance d'avoir gratté un petit peu. Ça va être facile. Hein, ça. Le restaurant. Non, ce qui va être très marrant, c'est on a quand même 50 balais. C'est qu'on va travailler avec des tablettes informatiques pour passer les commandes. Ça, il va falloir déjà qu'on se forme, ça va être marrant. On a trouvé un deuxième conduit qui nous permet, par rapport à l'extraction, de mettre une braise. Donc on aura un robataillaki, c'est-à-dire qu'il y aura des cuissons à la braise. Et donc on aura la braise, donc un joli carré d'agneau mariné. Là on a fait une cuisse de poulet laquée, caramélisée au miso. Donc ça, elle sera faite à la braise. Donc je vous garantis que le résultat sera complètement différent. En fait, mes deux axes de cuisson, je pense que beaucoup de cuisiniers, on est sur la braise et sur la vapeur. Mm-hmm. Donc on a mis... Toi, hein. Voilà, ça c'est personnel. Moi, je pense que beaucoup de collègues sont un petit peu similaires. Mm-hmm. Mes cuissons préférées sont la braise et la vapeur. Et je trouve que l'association de ces deux cuissons permet d'avoir des résultats absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'on va commencer, par exemple, une épaule d'agneau de lait à la vapeur et terminer à la braise. Voilà, donc on aura beaucoup de choses. Je reviens juste deux secondes, on n'a plus beaucoup de temps, on va devoir conclure, mais il faut comprendre que tu souhaites, on parle d'un menu, j'espère que tout le monde va bien. Ça va? Ok. On parlait d'un menu carte blanche qui était donc, non pas une autoroute, mais qui était effectivement un chemin tout tracé. Là, Pascal, tu as envie de considérer que les séquences pourraient arriver presque de manière... syncopé, ça veut dire on pourrait imaginer peut-être même la viande avant le poisson, considérer que si on a envie
d'une belle Saint-Jacques après avoir mangé de l'agneau, ce ne serait pas un problème. Exactement. C'est, par exemple, ça va être la, donc on aura la braise, la vapeur, le piano, on aura les entrées, on aura les douceurs, il y aura différentes sections dans la cuisine et le client va venir choisir dans la carte. Alors aujourd'hui, je vais me faire un carré d'agneau. Carré d'agneau, donc on va l'envoyer quand il sera prêt. Quand on va dans un restaurant dans un pays étranger, on a cette possibilité là, que ce soit des tapas, que ce soit des mezzé, que ce soit des dim sum, que ce soit voilà, dans la cuisine indienne. On mettra sur table et donc aujourd'hui, on va se faire un. Qu'est-ce qu'il y a dedans là ? Excuse-moi, mais. Eh ben, en fait, on n'a pas le temps. Donc, bon, voilà. Donc, on va. On l'année prochaine. Ouais. On va. L'idée, c'est de on cuisiner. On les ouvre ou pas ces boîtes quand même ? Et donc, surtout, on a tous ces producteurs qui sont absolument incroyables, qui sont fabuleux, qu'on se doit de mettre en avant. Et le métier de cuisinier, donc j'avais deux choses à dire. Vas-y. Sur les agrumes. Les agrumes étaient très à la mode il y a 20 ans. Beaucoup de chefs sont partis sur le travail des agrumes. Donc c'est absolument fabuleux pour les producteurs. Il y a eu des gens qui ont fait un travail absolument incroyable. Des chefs ont fait le choix de continuer, donc de travailler les agrumes, de faire des commandes. Et ensuite, les modes ont changé. Et donc, des jeunes, des cuisiniers, on met le frein un petit peu sur le travail des agrumes. Sur le travail de l'agrume, ouais. Et des producteurs donc, ont investi pour des raisons économiques, ont acheté du terrain, ont acheté des machines, des employés. Et il faut à peu près 4, 5, 6 ans avant d'avoir les premiers résultats. Et donc, en tant que cuisinier, on a un rôle sociétal extrêmement... On a une responsabilité extrêmement importante. On n'a pas le droit d'abandonner ces gens-là. Donc ça, c'est très important. Je demande aux jeunes cuisiniers de réfléchir avant de faire les commandes. Donc ça, c'est un point très important. Très bien. Quand on s'engage avec une relation avec un producteur, quand on s'engage, il faut que ce soit quelque chose de franc et d'honnête. Et il faut qu'il y ait cette complicité. Comme on a avec le service, il faut qu'il y ait cette honnêteté, cette complicité avec le producteur. Et avec nos clients, ça c'est très important. Donc on n'aura pas le temps de tout faire, mais bon, l'idée aujourd'hui, on fait un kakigori, fais-le sur le côté. On va faire un kakigori de yuzu et tomate, piment. Le kakigori, donc c'est une neige, donc c'est la machine japonaise pour faire la neige. Donc on a fait une autre tomate, neige de tomate, sirop de tomate jaune rôti et piment. Et donc là, tout à l'heure, j'ai fait une pâte, parce que quand on met des yuzu, donc c'est d'aller extraire le goût, les huiles essentielles. Donc on a pris la technique japonaise sur le yuzu kosho et le sel nous a aidé à extraire le goût, les huiles essentielles des agrumes et du piment. Et on le laisse infuser et ensuite on vient assaisonner avec. Donc ça c'était un point sur les producteurs. Et un autre point sur le travail du cuisinier, je demande, les cuisiniers doivent être curieux. Comme Christophe est curieux en salle, a envie de connaître le client. Il vient ici pour combien de temps? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a réservé depuis quand? Est-ce que c'est un repas d'affaires? Est-ce que c'est détente? Et donc nous, on doit être curieux pour pouvoir progresser, ça c'est très important. Et donc on a découvert une dame, c'est une artiste, qui est dans le pays de Bigorre, dans les Pyrénées, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et qui fait un travail absolument incroyable. Donc elle travaille les physalis, elle travaille les morels, et elle travaille les tomatillos. Et on les a vus travailler là-bas tout à l'heure. Et donc on a fait, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et donc l'idée, c'est de faire un pain perdu avec tous ces produits-là, parce que donc l'idée, c'est on a fait un jus, on a imbibé le pain perdu avec les jus de ces produits-là, donc avec un jus de morelle. La morelle, par exemple, c'est la tomate litchi, donc c'est la famille des ronces. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fait, donc originaire, qui vient d'Amérique latine, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui pousse en France. Avec le réchauffement climatique, les producteurs doivent un petit peu s'adapter. Donc ça, cette personne est très curieuse. Ici, on a par exemple donc un tomatillo zuni. Le tomatillo zuni, donc c'est le nom de la tribu indienne donc en Amazonie, les zuni, qui se sont aperçus, c'est un physalis que quand on le ramasse, on le récolte avec le pied et on le fait sécher à l'envers sur un arbre et ça nous permet de garder les physalis pendant un an. Donc le produit ne bouge pas. Donc on a ici, on a les différents, donc on a les Rio Grande Verde, on a les Purple Coban, donc ça ce sont différentes. Ici on a différentes morelles, Pascal, donc pareil ces petites morelles. Je te coupe malheureusement. Je te fais juste goûter la mille tomate, tu es obligé de goûter ça parce que ça goûte réglisse. Et ça c'est quelque chose qu'on sert avec un chevreuil. Donc l'idée du pain perdu, c'est, donc on est, ça c'est des gibiers, peuvent manger tous ces petits fruits. Et donc ça, on va cuire un carré de chevreuil à la braise. Et donc la garniture, ou à commander sur côté, un petit pain perdu. Le toast, un pain perdu. Très bien. Et on a vu du coup là la neige. Donc on est sur le kakigori. Kakigori. Donc piment, alors on travaille avec un type qui fait les piments. Donc pareil, on a ramené des graines d'Amérique latine. Donc on est sur parfum. Donc voilà, ça c'est le travail qu'on fait avec les producteurs. La neige,
Donc les tomates en surmaturité, on les a confites pour, pareil, ne pas gaspiller ces produits. On a fait un caramel rôti avec et on vient le positionner pour assener cette neige. Très bien. Et là, donc, ici, ce sera à partager. Donc, c'est une cuisse de poulet ou une poitrine de cochon confite. L'idée, donc, on va venir assaisonner chaque feuille de laitue. On fait une fleur de salade avec le poulet mariné au miso. Et ensuite, donc, comme en Asie, on aura un petit bouquet d'herbes assaisonnées. Donc, généreux. Donc, c'est des herbes qui viendront juste apporter un peu de fraîcheur sur cette viande laquée. Voilà. Tac. Ensuite, on roule, comme à la maison. On va venir. Tac. Et on vient manger. C'est fini, Pascal ? Dommage, c'est bon. Rendez-vous très bientôt à l'Astrance. Pascal Barbeau, Christophe Roy, levez-vous s'il vous plaît pour les remercier et pour vous féliciter aussi à vous d'être là pendant 3 jours. Merci beaucoup, on termine ce festival avec vous messieurs. Merci Cédric et on se donne rendez-vous très bientôt. Et on se donne rendez-vous à l'année prochaine avec Omnivore. Très bon anniversaire à Omnivore. Et bon anniversaire pour ces 15 ans. Un grand merci Omnivore. On est très honorés d'être présents ce soir ici pour la fermeture dans ce lieu absolument incroyable. Merci Boris, merci à Luc et merci à Romain. Merci messieurs. Merci à tous et merci à vous. Merci d'être là. Merci. À bientôt.